Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et hey, hop les petits potes, c'est vrai que nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui nouvelle vidéo pour continuer sur mondial les gars. On avait terminé en 10-0 sur la dernière vidéo. On va aller continuer ça. Avant la vidéo commence les gars, n'hésite pas à s'abonner, à lâcher le petit pouce bleu, à commenter ma miniature les gars, à noter ma miniature dans les commentaires. Et puis voilà, on va partir avec ce petit deck géant royal les gars. Et voilà, en espérant de tenter un full win encore une fois, hein. Mais je pense que là ça va commencer à devenir complexe, on commence à arriver à 10. Les joueurs vont venir beaucoup plus fort déjà. Donc voilà, ok, donc là on va juste tempo pour l'instant, faut juste tout mettre en map. Il y en a ici, ouh, du golem. Ah ouais, matchup complexe là, direct là, pour se mettre dans le bain, très bien. Les chauves qui vont devenir des halouf. Moi je vais mettre une MG. Ou une sorcière, ouais, bah, juste pour en gérer, les jours là. Et là c'est every base là. Oh, les manies aussi, attends quoi. Ça sent pas bon ça. Enfin, je sais pas si ça sent bon. Déjà, le Jerf qui met beaucoup de dégâts, ça c'est cool. On a beaucoup de cochons qui spawn. Mais pourquoi il met des squelettes? Bon, mais les gars, la défense là, je défends comment là? Je mets une boule de flux là? Quoi? Ouais, il a 29 sorcières, les gars, on peut m'expliquer ça? Je pense que je vais aller mettre ça, plus ça. Hop, la défense qui vient clean là. La défense qui est vachement clean, on a beaucoup de chauves-souris, mais c'est pas grave si on se gratte un petit peu. On a mis tout à 52 HP, les gars. Le mec, je pense que je joue en deck troll. Hein. Oula, attendez. Ouais, je pense quand même que je joue en deck troll, ça change pas, mais triple sorcière, ça m'étonnerait que ce soit un vrai deck, enfin, c'est son éclaireur du moins. Ok, bon, Dark Prince qui adorait être défendu. Hein. Ok, par une même, par une sorcière, très bien. Son mec, le Dark Prince, puis. Ok, il tue pas, on va mettre une mamie alors. Défendre cette sorcière, hein, bien évidemment. Donc la sorcière, par contre. Ok, il descend parfaitement assez bas pour ça, c'est parfait. On s'est touché. Ok, il a plus de tombstone. Je pense que je peux partir. Il a plus de tombstone. Alors, attends de voir ce qu'il fait. S'il met une. Il fait quoi? Armée de Kikouts. C'est prévu ça. Il est une armée, d'accord, c'est pour ça que. Ok. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de squelettes tout à l'heure. Très bien. Je pensais juste des... l'assassin qui avait fait spawn. Il y a beaucoup de cochons là. Bon, ce qui va être compliqué là, c'est que j'ai rien joué chaud en fait. Enfin, j'ai un ami, mais. Ouais, bon. Oh, ça devrait être free win, hein. Je vois pas comment la perdre, c'est là. Je vais mettre de pêcheur pour map parce que j'ai peur qu'il me chie un MK. Bon, là, ici, mais c'est triple sorcière, les gars, ça part en boule de feu fût. Vous avez dit, tiens, moi je vous dis. Ok, alors attendez, à partir de boule de feu fût ici, du coup. Nickel. Bien évidemment, on les met. La cage ici. Mettre une MG là. La mamie, on va la recycler. Bah, nickel. La mamie qui va faire spawn un le cochon et ça va se terminer le tempo et défendre. En double mamie, ça aurait été pas mal là. Ouais, je sais pas ce qu'il tente avec ces 1 million de mamie là. Bien évidemment, il est un géant pour eux. Le géant pour les gars qui va se mettre bien. On va bien évidemment tenter de pré-shot l'armée de Kikouts. Il y a beaucoup de cochons qui spawn. Ah, ça c'est pas mal ça. Allez prendre la deuxième tour les gars et on va aller prendre cette première win contre Alejo 1 de Alpha 0, ça fait plaisir. Hein. Petite première win là avec un deck je pense qui joue trop honnêtement, je pense que c'est un deck ladder. Hop, on va aller regarder son profil. Ouais, qu'est-ce qu'il fout d'avec ça, s'est trompé ou quoi? Je pense qu'en live on est pas un centaine, on m'a dit. De grandes possibilités pour qu'il voulait lancer en. Comment ça s'appelle? En défi classique. Ok, c'est parti contre l'air Uchiha. Allez, c'est parti, on va les mettre, je pense, rien du tout. J'ai une bonne main de départ, là, en fait. Je joue un petit peu, j'attends, je pense, 2 minutes 30 avant de commencer à jouer en Dark Prince. Et, bon, bah, je vais jouer maintenant, du coup, je vais respirer. Ok, Dark Prince. J'en ai trop. Un bon match-up, ça. J'en ai trop. Si j'en ai trop, ça fait plaisir. Hein. Je vais pas vous mytho, les gars, on a le pêcheur pour le mettre sur le tour du roi, ouais, c'est du j'en ai trop. Ah, ça c'est des moves qui donnent le smile, ça. Ça fait plaisir, ça. Honnêtement, les gars, tombe sur le petit j'en ai trop, là. Après, je sais que le matchup peut être complexe si tu joues mal, mais normalement, c'est juste à pas faire de la merde. Oh, il y a Tesla, bon, il n'y a plus de Tesla, là. Là, frérot, il n'y a plus de Tesla, là. Allez, mais on va la tirer le Dark Prince.
Il a bien joué la tornade là. On va mettre dessus pour pas prendre de dégâts. Ok, je vais pas défendre, je pense. Pareil, on va assumer les dégâts en vrai. On va mettre Dark Prince. Dark Prince plus MG. J'espère que j'ai l'AMG mode jeu de bombe. Non. Je peux en prendre un petit coup, c'est pas dramatique. Il manque Dark Prince. Ok. Ok, nickel. Une de la cage. Ok, c'est du coup c'est le deck pas GR, c'est le deck le deck cancer méta, le deck méta cancer là. Ok, bon j'ai pas un jab du coup. Donc bien sûr ça sert à rien. Au moins je peux le mettre au fond map, ça c'est cool. Déjà. Ah, ok. Pêcheur fond map, hop. Ok, bon on va aller mettre une mamie. Il a... Ah merde, il y a une boule de feu qui est le bouffon. Ok, là je perds bien évidemment en gère de l'autre côté, hein. Ça c'est logique. On va aller mettre un fût pour la Tesla. Voilà, nickel. Les petits cochons, hein. je l'avais pré-shot, je le savais. Ouais, bon, tant pis, hein. Les squelettes, tant pis, c'est my bad. Bon, si on va aller mettre un deuxième coup. Non, ok, pas de soucis, on met pas de deuxième coup. On met un Dark Prince en mode tranquillement, j'aurais jamais dû faire ça, c'est pas grave. On va aller mettre le pêcheur, on va aller mettre un géant pour encore. Là, faut mettre une pression. Là, on peut bien évidemment aller remettre le fuel pour la Tesla. Ok, la Tesla. Ok, pas de soucis, mec. La Tesla qui va se faire déboîter. Il a plus de boule de feu, c'est le moment, les gars. Le moment de Nietzsche Focopops, les gars, vous connaissez la chanson. Nickel. Là, on peut aller remettre un pêcheur. Et là, il faut mettre une pression constante. Là. Là, on va aller remettre un JR. On a encore un pêcheur fond de map, ça peut être pas dégueu. On peut aller remettre tout simplement un fuel pour. On s'appelle la Tesla. Le barbare qui va détruire le bomber, ça c'est plutôt gauchy. On s'est donné une tornade. On va aller bien évidemment boule de feu les squelettes. Tamis si j'en avais aussi. Ok, là on va lui mettre la mamie. Un coup de gère en plus, ça ça peut être gauchy. On va lui mettre le Dark Prince pour tenter de. Ok, on n'a pas réussi. Là on a apporté de deux boules de feu. Et on va lui mettre le pêcheur. Ah, le cochon. Ici, plaisir, le cochon là. Les boules de feu, ça. Hop, on est à portée de boules de feu, les gars. Là, on a juste un tempo. Hop, petite cache goblin. On va aller mettre le Dark Prince, bien évidemment, pour aller défendre ça. Un pêcheur au cas où ça tombe pas. Bon, ça tombe. Un petit fuit. Et puis voilà, hein, je pense que c'est réglé, les gars. Deuxième victoire, les gars, ça fait plaisir. On a très très bien joué la game. On a bien pris notre temps. On a su reconnaître le deck aussi. J'ai eu pensé du jeu électro, mais au final, c'était le deck méta là. Ok, on s'en fout, il n'y a pas de légendaire, moi j'ai tout max, les gars. Ok, voilà, son profil. Ouais, bon, il est quand même à 6400, hein. C'est pas dégueu. Il a son corps de trophée en plus. Il a fait son corps de trophée. Au moins, voilà, mais moi c'est pas pareil, bon, j'étais. Voilà. Bref, oui, il manque juste ça à max, les gars, juste pour que vous sachiez, ouais, il manque juste ces 4 cartes à max, là, j'ai bientôt max L. C'est que le TM, je vais le max. Ok, les gars, on passe dans cette 3ème game. Chibrosaur, lui aussi, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, là, vu qu'il coule ce pont, on va aller mettre le puits à bavard. Ok, petit coup de tête. Oh, ça fait plaisir, ça. On va aller mettre une cage goblin tranquillement. Je sais pas ce qu'il joue. Un squelette Tesla, ça peut être du double flux. En fonction, il est pas content, monsieur. Enfin, Chibrosa, il est pas content. Il est énervé. On va aller mettre une mamie sorcière. Ça peut être quoi, ça? Sûrement avec un deck de maison, je pense. On va aller mettre le Dark Prince, pour protéger la mamie. Boule d'œuf, quand même. En vrai, on peut partir en GR, je pense, parce que même s'il a un squelette, je le sais. Ah, il y a un IPK aussi, d'accord. C'était pas prévu ça. Prends l'IPK, s'il te plaît, gros. Putain, il a pas pris une IPK. Oh, la giga sauce là. Hop. Ah, il y a une IPK qui. Oh non. Oh non, il a un ballon aussi. Oh là là. Quelle horreur, il a un ballon. C'est vrai que la rage, c'est un ninja. Ouais, nickel. Ok, bon, Chibrosaur qui BM, hein. Il joue en guerre, attendez.
Un bûcheron ballon avec une armée squelette et une Tesla. Oh la sauce. Oh, il y a des flèches aussi, ok. On a mis beaucoup d'Elex, hein, je pense qu'il a mis beaucoup d'Elex. Mais je suis pas sûr, donc on va rester sur nos gardes. Allez, on va mettre la petite cage. Tranquille, hop. Je pense que je vais aller boule de feu. Et il y a un deck chez moi quand même. Hein. Il a 2 DPS, il a un. Ouais, il a un froid, ça va être chiant. La game va être longue, hein. Je vous le dis, la game va être casse-couille. Il y a une boule de feu, donc on va s'assurer de partir comme ça. Ok, il va sûrement mettre son ballon. Voilà, exactement. On va aller mettre la cage, hein, évidemment ici. Voilà, nickel. Je savais qu'il a tenté un truc. Il y a la MG qui a pas envie de faire son taf. Très bien. Excusez-moi, monsieur. Ah oui, attends, mais c'est vrai qu'il a 1 million de DPS. Ah, oh, ça peut être pas mal ça, attendez. Ok, peut-être le fût là qui pète pas mal. Oh, mais c'est vrai que le mec a un trouteur là, attendez. Wesh, le frérot là. Ok, c'est pas un main d'apprendre, on va tenter de remettre une pression. On va aller mettre le pêcheur. Nickel, le pêcheur. Ah, ça s'est passé comme prévu. On va mettre le GR. On va tenter de passer là. Là, on n'a plus le choix de passer. On va aller mettre un fresh shot du futur. Ça va être pas mal là, peut-être c'est le moment de passer là. Peut-être on va passer. La boule de feu. Le Dark Prince. La mamie. Ah, c'est dommage. Malheureusement, la première défaite contre Shin Brothers qui baine. D'ailleurs, si tu passes par là, t'as un gros enculé, t'es nul, voilà. Je tenais à le dire, bon voilà. Maintenant que la pub est faite, c'est vraiment chiant. Bon, effectivement, le mec il a 6400, il baine, super. Bon, bref. Go win, c'est pas grave, on a perdu contre un mec qui voulait BM, qui avait un gros counter, c'est pas grave. Allez, passe contre Damien, c'est parti. Ok, on va les mettre. On va tempo pour l'instant. On va tempo, je vais les mettre en fût si je joue rien. Petit fût à barbare, ok, mousquetaire. On va lui mettre la cache. Je vais mettre des MG au pont. Ok, encore une fourreuse, très très bien. Du coup, je vais mettre la MG maintenant. Hop, et là, on va lui mettre le Dark Prince. Tac. Mousquetaire, fourreuse, ça sent pas bon ça. J'aime pas voir ce genre de deck. On va aller mettre la mamie pour défendre le méga gargouille. Hop, un petit cochon. Ok, oh. Tiens, on va mettre le pêcheur ici pour les pêcheurs, squelette géant. Ah. J'ai mis le pire pêcheur ever là, vraiment. Le jeu était sacrément éclaté. Elle m'a l'air comme ça. C'est le mec qui va défendre le géant squelette et le chevalier. Là, tu veux... Ok, il a focus le squelette géant, ça c'est cool, hop, ouais, pas de mauvais côté. Ok, du zappy, on va mettre le gérant en pression, je pense. Oh, mais il a fourreuse, ouais, il a plein de trucs lui. Hein. Il donne un petit peu avant de fût, genre maintenant le fût peut être intéressant, je pense. J'ai mis beaucoup trop tôt. J'ai mis beaucoup trop tôt, on va aller mettre le Dark Prince pour aller défendre ça. Ok, nickel. On met une méga pour défendre. Ouais, c'est que là, il a un gros avantage en élixir, je pense. Là, je pense qu'il doit être plus 5, plus 6, peut-être plus 7. Je sais pas trop. Oula, s'il est full, là, ça peut être la sauce, là. Hein, parce qu'on est quasiment safe, mais il a un squelette géant sur le terrain. J'espère qu'il va mettre un zappy au pont. Pour l'instant, il n'a pas de gros sort, donc pour l'instant, ça m'arrange. Ok. Attends, on va juste pécho ça. On va mettre une mamie ici, tranquillement. Je vais faire ça comme ça, normalement ça va pécho. Là on peut aller boule de feu ça, ça peut être pas dégueulasse. Hein. Non, dommage. Oh c'est bon. Ok nickel, ça va devoir le défendre, parce que la géant, très bien. Je sais pas si ça... Ouais, je pense que je vais partir en... comme ça. Hein. Là je mets un pêcheur. Et là je mets un fût pour Camille, mais je sais pas ce qu'il va me sortir. Et... Ok, une fourreuse. Je vais mettre un arc-en-ciel quand même pour pas prendre de dégâts. Prendre des dégâts sur ça. Ok, mon petit coup de GR, ça c'est plutôt Gucci. On va lui mettre une mamie pour défendre, parce que ça va faire le tempo avec les cochons. Mettre une MG, je pense. Ou j'assume. Non, j'ai pas su le coup. Pour l'instant, on défend bien, mais.
Je pense pas, je crois qu'il a joué 7 cartes, hein. Si je dis pas Damien, il a joué 7 cartes. C'est quasiment possible qu'il ait joué ses 8. Ça manque 2 cartes là son deck, ça manque trop de cartes, ça me stresse. Ouais, j'ai bien fait garder le Dark Prince là. Le Dark Prince. La cage Goblin vite. Ok, la cage qui peut. Ok. La cage qui arrive au moins, on a double Goblin Félon, ça peut être pas mal, la contre-attaque. On va aller bien évidemment boule de feu sur Zappy. Hein. Les Zappy, ils n'ont malheureusement pas. Alors ça, c'est la sauce. Là, c'est mon squelette au pont. Ok, petite méga gargouille. Ok, ça va. Ah, si, mais il y a que tout ce que j'ai entré. Hein. Pêcheur, ici, il faut détruire le Zappy vite. Ok. Ça, ça suffit. Ouais, ça suffit. Nickel, on peut mettre une mamie. Il a pas l'air d'avoir pour ça. Pour l'instant, il a pas joué du moins s'il en a un. Hop. Vite, le GR qui a pas mis de. Nickel, cancel le truc, ça c'est cool. Oh, quoi? Ok. Oh non. J'ai une boule de cheveux, je mets une boule de feu le Zappy. Ok, je mets ça, la MG. Ce qui me fait peur là, c'est son. Comment ça s'appelle? C'est s'il a pas joué toutes ses cartes en fait. Je suis presque sûr qu'il a pas joué toutes ses cartes et ça me stresse de ouf. Là je vais aller boule de feu ça, je vais prendre trop cher sinon. Hop, nickel, la défense qui est clean pour l'instant. Hop, petite MG, tranquillement. Là j'ai juste à full tempo. Le mec qui me regarde, il doit être vraiment bien en termes de gameplay là. Parce que là je suis en train de régaler là. Là je régale le gameplay. Ok, attends, je vais vite faire ça comme ça. Hop, hop. Petit fût vite. Faut vite cancel. Non, 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 non. J'ai pris le coup, c'est honteux. J'ai envie de tout casser, mec. J'ai envie de tout casser. Comment je prends le coup? Sérieusement, comment je suis censé prendre le coup là? C'est pas possible de prendre le coup. Oh, peut-être, attends, attends. Hop, le vertap. Quoi? J'ai tout cassé, les gars. J'ai arrêté de jouer, mec. Bon, de toute façon, je crois que le GR est fini, c'est pas. Bon, les Zappy qui tapent, c'est honteux là. Je suis pas d'accord. Les Zappy, jamais est censé taper là. Le GR, il fait combien niveau 9? 314 ou pas? Ouais, il fait 254. Ça va dans tous les cas pas fini. Oh, j'ai tellement le seum, c'est horrible. Ok, bon, allez. Ouais, tempo pour l'instant, il y a l'esprit glaçon du 2.6. C'est de l'Arc-X, je suis très bien en match-up, hein. Je suis très très bien en match-up. C'est de l'Arc-X. On va faire de l'Arc-X, ça c'est sûr. Là, on va pas jouer le GR, on va juste défendre avec le GR et... Et on verra bien, très bien, la Tesla posée, il a rien pour... Je vais le pêcher au fond de parce que plus cas, il a pas de gros temps comme le PK ou le MK ou le genre. Il a un Arc-X, ok. Moi j'ai quand même aimé mettre le fût quand même pour l'espoir Tesla. Ah ouais, je suis en plein Tesla. On va mettre une MG tranquillement. Ok, là d'accord, ça va les placements tout ça. On va commencer à boule de cycle hein, je pense. Ok, estompe chevalier tranquillement. Putain, bien évidemment toujours avoir 10 pour avoir assez bon Roger sur l'Arc-X. Non, mais j'ai mon missile complètement, quel bouffon. Ok, je pense que je vais remettre un fût comme tout à l'heure. Oh, mais la Tesla, ça fait tellement de value. Ouh, oh la dinguerie, bon, là, bon, l'esprit con, il va arrêter de me gratter. Évidemment, le pire placement possible. Yes, quel plaisir. D'être un bouffon comme moi. Excusez-moi. Ok, petit pêcheur, tranquillement. Elle met une mamie, hein. Il a pas encore joué son Arc-X. Il a pas encore joué sa boule de feu non plus. Voilà, nickel, il joue sa boule de feu maintenant. J'ai vraiment envie de GR, mais s'il défend, le gros problème, c'est que je vais dans la sauce de ouf, genre, donc j'ai pas mis de GR, juste sa queue de boule d'œuf, en vrai. Oh, c'est le meilleur bail, sa queue de boule d'œuf, là. Il remet une Tesla, ok.
Ok, je vais mettre une MG fond map tranquillement. Peut-être c'est le moment vraiment de partir. Je sais pas. Oh bah oui, c'est clairement le moment là. Là c'est le moment, on finit pas plus groupe up là, c'est. Là pour le chocheux. Ok, le chocheux qui n'est pas un chocheux du coup. Oh, il est arrivé à recycler. Oh, ça c'est honteux ça. Ok, le GR qui met des coups. Ok, là on a bien gratté, on a rattrapé la game un peu. Là le problème c'est si l'Arkix. Là il Arkix, il a assez pour Arkix. Mais il le fait pas. Ok, il le fait. Très bien. Ah, ça tempo, hein. Ça tempo, je vais réussir à recycler mon GR. Je pense que j'ai même besoin de GR. Est-ce qu'il va les faire? Oui, il défend. On va les GR. Hop. Voilà, nickel. Ça c'est cool. On va aller attirer le pêcheur là. Le. Ok, ça c'est bien joué. Ça c'est bien fait de sa part ça. On va voir lui mettre sa Tesla pour la boule de feu. Ok, il essaie de pas jouer sa Tesla. L'intelligent lui va prendre un coup, malheureusement, il va devoir l'assumer. Hein. Ok, on va. On attend toujours d'avoir 10. À chaque fois, faut mettre un truc dès qu'on a 10. Ok, là, sauf des fois. Ok, là, je vais mettre un Dark Prince. Ok, il ouais, je vais gérer, hein. Je vais me faire chier. Là, il va tenter mon cycle, je pense. Donc, on va vite cycler. Ok, là, je vois les boules de feu. Ok, je savais qu'il a tenté le mode cycle. Ok, on va les mettre le GR bien comme ça, ça touche pas la Tesla normalement. On va les quand même mettre le fuir. Hein. Oh, ça touche la Tesla. Oh, la sauce. Il a mis beaucoup de trucs, hein. Il a mis beaucoup de trucs. Le gobelin à gauche, hein. Faut pas l'oublier, le gobelin à gauche. Faut surtout pas le sous-estimer. Ok, on prend un Dark Prince, je prends un Arc X. Je suis prêt. Ok, je vais aller re-boule de feu. Hein. Là, on boule de cycle, c'est mon autre boule de cycle. Lui, il est obligé d'attaquer. Ok, là je fais ça, je mets une manie au pont aussi vite. Je détruis le plus vite possible la Tesla à chaque fois. Allez, il va tenter de spell cycle. Là, on peut évidemment aller mettre le géant royal. On va aller mettre une boule de feu et nous faire énormément de value. Hop, nickel. L'Arkix qui va mourir. Je pense qu'il n'aura pas le temps. On va tenter de vite. Là, il a beaucoup de troupes, il va devoir défendre. Et il sait qu'il a perdu. Je pense. Le cochon qui gratte, et voilà. Et on part sur cette win. Et cette dernière game, hein, les gars. Ouais, j'ai fait de la merde, j'avoue, j'ai fait de la merde, je l'ai totalement troll, bah, il avait le mec qui avait Dwarf Scooter. Bon, ok, c'est pas grave, on est en 13-2, du coup, je crois, c'est ça, si je dis pas de la merde, hein. 13-2, c'est ça. Ok, les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Commentez, bien évidemment, Arkix, voilà. Non, faut commenter, hashtag Zappy. Ouais, Zappy qui m'a bien troll, d'ailleurs. Et puis voilà, c'était vraiment cool les gars, à demain.